et sur www.caraïbefm.com. Caraïbes FM, il fait exactement 5h36 minutes. Nous prenons rentrer dans le développement journal. Bien avant, nous prenons rejoindre Madame Christnette Saint-Georges qui prend le nous quittant l'hier fait aujourd'hui. Et déjà, elle est en ligne en ce matin. Madame Saint-Georges, bonjour. Bien, bonjour Guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour Grégory, bonjour toute équipe là, auditoire Radio Caraïbe, nous saluons nos chacs. Mais comment situation météo a présenté le Caraïbe Black sous Atlantique là? Mais la presse d'avant côté de la ministère agriculture, AAS, sans pas oublier secrétariat permanent, cap juridique avec deux ans. Nous gagnons humidité qui n'a pas ce couchant, il n'y a pas souci à qui fait journée. Chaleur localio et avec un cyclone en altitude, le paramètre saillot qui se fait à dominer région matin. Une situation ça pas tellement favorable pour gagner la pluie en intensité suite avec zone de anticyclonique ça qui est même et constitué un blocage qui n'est pas favorable. Vous avez gagné en pile la pluie sous pays, sinon lui-même les générer, il y a tant côté fab soufflé, un petit genre modéré, avec un petit genre fort, et les petits genre opposé tout, avec nuage qui t'a doué côté gros la pluie. Comment ça y est pour Haïti? Matin a pleuvé avec un temps, quand il y a soleil, va soufflé, avec des nuages qui a développé l'après-midi à 4 température, les petits genre douce, quand on a parlé la matin. Mais il y a un poli augmenté, ceci traite pour la terre jusqu'à 35 degrés Celsius. La tombée dans la nuit là, en moyenne, entre 20 et 24 degrés Celsius. Nous prévoyons des activités la pluie sous département sud-est, l'ouest, la Tibonite, centre, Grand-Est, nord-ouest, avec les pays pour assouer d'une manière isolée. Pour Port-au-Prince, Action qui entoure nous, c'est même cas figurant et possibilité d'activité la plus légère, parfois modérée, sous quelques têtes mondes qui tout près Port-au-Prince pour assouer. Pour jeudi avec vendredi, situation à potigeon changé, côté cagayanté, la prière à potigeon plus, suite à chaleur journée et fait local. Pour la mer, nous avons dévoilé au point précaution, zone côtière nord, golfe Lagonal, surtout, mi-temps en mer, zone côtière sud. Cela la preuve matin à 6h12, de la couchée à 6h22. Pour le VGE dimanche à 6h12. Cela nous mettait en bout dans l'information météorologique pour le mercredi 30 mai 2018. Là, on a pour M. Guerrier, Pierre Renel, Grégory, toute équipe là, auditoire Radio Caraïbes. Nous souhaitons passer un excellent mercredi. On est pourtant maintenant. C'est pour demain pour notre information qui a pris pour nous. Nous en fait météo. Bonne journée. Première occasion, c'est premier journal PIA. Première occasion, c'est qu'on est comment pays d'Haïti à Grèce Maudelin réveillé pour matin. Merci un peu, Madame Christnette Saint-Georges. Nous souhaitons passer une bonne journée à Caraïbes FM. Et sans perdre du temps, nous prenons le connaître comment la rouille est avec Mark-Henson Rémy 4x4. Oui, gagnez, justement, on a quitté le studio pour nous prendre direction. La rouille, pour nous prendre tension. La rouille, on prend encore avec 4x4 là. Côté météo, dis-nous là, toute bagaille, ok, avec un ciel serein. En pile le soleil sous ville là pas de journée, hein. Mais est-ce que c'est dans l'esprit ça, nous y a réveillé pour matin? En tout cas, nous prenons ça à 4x4 là, lumière projecteur déjà, lumière sous ville là, mais c'est sous portail Léogane, n'a rejoint les matins, sous portail Léogane, n'a rappelé bandit, semaine passée, entré rentré dans une centre santé, blessé, avec balle de infirmière, et une zone côté gayen. Pile activité, donc c'est un carrefour côté monde qui peut aller dans le sud capitale là, rencontrer, croiser pour descendre machine, pour prendre machine, pour aller la caillou et venir dans l'activité. Eh bien, ces zones ça, bandio, il y a pas gommé depuis quelques jours là pour bien contrôle. Eh bien, c'est là, n'a rejoint Mark-Henson Rémy 4x4 qui est prêt à parler avec nous pour dire nous comment Port-au-Prince réveillé pour matin. Après, Vireron lui est déjà fait dans plusieurs quartiers dans Port-au-Prince depuis bien bonheur matin. Côté Ligueyen, ils ont déjà coûté information pour nous concernant Jeanville à préveiller, Jean Zonio à pleuver, en pile activité déjà, circulation lui commencé dans plusieurs zones dans Port-au-Prince.
Port-au-Prince matin. Mackinson Rémy a dit nous depuis et semaine qui s'est passé à la tension à 12.8. Mackinson Rémy, bonjour. Bonjour, Président René, bonjour, Gagné Soustel, bonjour, Fat, bonjour, tout le monde qui est à IBFM. Exactement, il y a une tension qui 12.8 et dans plusieurs communes dans la zone métropolitaine nord et 4 là déjà visité. Et nous avons dit Tabar, Pétionville, Port-au-Prince et Cafou. Et un Port-au-Prince qui le fait très calme en matin, bien René, et sans aucun suspense. Et côté monde est déjà parti avec activité. Un peu côté nous-mêmes, et Radio Caraïbes, FM nous passe. Et nous rencontrer un peu l'employé, et Mério, et ensemble avec SNCRS, qui a ramassé Patrick Anambouette. Monsieur Bador, vous avez un bon petit bravo, tout petit pour SNCRS, et pour mon caporal qui va dans la rue. Mais nous avons tout profité annoncer, sur votre nageur, qu'il y a 3 poubelles qui ont renversé leur fin montée, bon safari, motos là. Et poubelles, ça y est, il faut que tu aies déchargé rapidement. Parce que ce sont mauvaises images sur route là qui sont route principale. Et puis, l'autre poubelle encore, dans notre Yachine là qui finit de déborder. C'est qu'il y a 2 poubelles, c'est qu'il y a une qui n'est pas de bon. Nous, on a eu des retirés, ça n'est pas de bon. Mais ça n'est bon, renversé déjà, avec Fatra. Et nous demandons pour eux, vite les poubelles, ça y est, rapide, vite, avant que Fatra y est, et ils viennent dans la rue pour Port-au-Prince. Le Port-au-Prince est super calme, il y a des villages de Dieu, nous allons regarder comment habitants vont vivre. Et dans le village de Dieu, je dis à là, nous dépendons des voies, et pour nous passer, dans PCSP, qui est le bureau communal et santé sanitaire Port-au-Prince, et qui n'a pas taillé au GAN, en face, ancien cinéma et Olympia, mais malheureusement, qui n'a pas fonctionné pendant toute la nuit terminelle, et qui plutôt a prouvé à 8h le matin, mais nous devons des voitures pour nous faire un petit tripotaille, dans une compagnie qui fait de l'eau, et qui fait jus dans sa chaise, à côté, à qui travaille 24 sur 24. Incroyable, mais vrai, envoyer ça de tous côtés, puis rentrer et nous accompagner ça, venir travailler. Avec eux, ils ont déjà beaucoup de sachets, ça c'est juste sachet de l'eau. Bonjour mon frère, Caraïbe FM, c'est pas que matin, en bon côté, comment activité a été, n'a pas d'aller aux autres. Jusqu'à présent, moi, activité a quand même mis à ma tête. Je dis que tu ne passes pas, et bien, tu es là sur la caille, vous travaillez dans accompagner ça. Je suis là, moi, depuis dans le hôpital, c'était du matin. C'est toute cette nuit dans le Kobaïta. Oui, justement. Kobaïta qui fonctionnait à côté du bureau communal sanitaire de Port-au-Prince dans BCSP, qui venait depuis quelques temps, qui a victime d'une attaque dans les bandits, qui a fonctionné dans le périmètre là. C'est nous-mêmes en dedans, mais qui a bien son travail. Bon, jusqu'à présent, nous sommes obligés de faire plus bien parce qu'on est la réalité. À chaque jour, nous devons avoir une petite répression, mais. Donc on est quand même, nous ne sommes pas obligés de la canine, nous sommes obligés. Là, il quand même, mais bon Dieu, quand même, nous toujours mettre bon Dieu devant. Est-ce que tu es à l'aise de travailler comme ça à la journée pour la nuit? Bon, on est bon. Pour un temps, tu es à l'aise, mais pour Dieu, nous va à l'aise à l'attendre. Je me suis amené à ma chouette, c'est sûr que tu travailles, là, imaginez comment elle a pris la canine. Quand je suis arrivé à faire un débat sur votre côté, bonjour, bienvenue, comment y est? Bien, grâce à Dieu. Je dis à qui le comme tu travailles là, c'est de ceux qui vous viennent là, vous venez travailler. Comment ça a eu de tout ça, nous sommes pas fous. Je travaille, pour me la taper un balle, là, parce que bon, les avocats, je vais aller, moi, je suis d'attendre. Donc, est-ce que ceci, au fait, normalement, nos compagnies, à toutes les mêmes, on a pu acheter du, on a acheté de l'eau, pas de problème, c'est tout, même, comment ça y est, pour vous, c'est même ça, avec ce même, c'est passé, comment sentez-vous? Bon, à cause de bon, je n'ai là, on toujours levé, ou sorti, mais c'est pas une activité qui est tellement très bien pour vous, parce que, depuis souvent, il y a tiré. Et puis les petits gens, pour Chico, pour pas brinter, mais de toute façon, il faut que vous venez travailler quand même. Et des fois, que mon journal de comme ça, bon, ça a même rentré, mais là, nous rentrons dans les gens, nous sommes toujours à l'aise. Même là, il y a toujours des problèmes, mais bon, Dieu, nous sommes chez nous. Là, je suis arrivé à faire, je me suis à plusieurs fiches, tout le monde sur tous les côtés, village ça, fiches ça, tout le monde qui fait comment, je suis sur tous les côtés dans Bourette, dans le village de Dieu, Matistan, et bien Ravine, tout le monde village dans le Kobaïta, qui est tout le monde nous vend. Donc, c'est chauffeur qui fait livraison, mais c'est chauffeur, mais c'est chauffeur, ma baisse, je peux t'assurer avec ma chambre d'eau, ça va dans toute vidéo. Et comme les compagnies ça fonctionne, et tout le monde est en portail de l'organe, et en face, on aime bien, et derrière le village de Dieu, et puis on sait ce qui m'a dit, et comment nous fonctionnons à toutes les, puisque nous venons à 5e mois de barrière, c'est qu'il peut ouvrir la machine à votre sortie, et bien qu'il y a bien ce travail là au niveau de sécurité. Bon, en bien ce temps, on est parfois tout bien tiré, nous toujours à faire. Parce que là, pour nous dérager, nous toujours venir à l'heure.
mais surtout nous avons souvent pas parce qu'il y a des enfants dans la zone parce que par contre jeunes garçons doivent s'activer ou faire activité. Est-ce que nous avons subi des pressions et des bandits qui ont venu sur les lames de l'argent, en somme l'argent nous avons fait ça, bon beaucoup de jeunes d'amour, même au niveau de l'entourage dans la rue, mais c'est tout, mais pas quoi que nous tuer dans la zone où je suis dans. Caraïbes FM, pour ça il est au garde à côté BCSP, Pierre Hidalgo. Avant nous passer notre téléphone, non, et par contre, si vous avez une question. Oui, en tout cas, et quand on t'a parlé là, je crois que c'est usine, ça même, et je crois témoigner, ajouter au sevoir semaine, ça même t'a laissé comprendre qui servit recette pour bandits dans la zone ça. Mais, Mackinson Rémy, on l'autre question est concernant la rue, hein, justement, puisque hier soir, très tard, et bon, très bonheur, t'as dit matin, et jusqu'à minuit, une heure, t'es ouais, camion, la mairie, t'as pris un massif fatra dans la rue. Hein. Est-ce que vous sentiez retomber et présence de la mairie à travers camion? Je dis à regarder la rue. Est-ce que vous avez moins fatra matin hein, par rapport à fatra ou habitué constaté? Hein? Depuis quelques semaines, Jean-René et n'importe quoi, surtout, nous remarquons mobilisation, surtout avec employés mairie qui n'en bouvent et les matins bonheur, qui a pris un massif fatra. Nous avons plus de mobilisation et nous avons plus d'emplois et tout. Et dans la commune de Bordeaux, qui a fait travail là, et puis quelques zones qui passent bien voir, oui. Pour nous, nous avons fait travail vers une RUN, oui. Et Port-au-Prince, moins sale qu'avant. Et cependant, de quelques côtés, tout, volume fatra est remonté. Parce que, il y a une question de contrôle de la fatra. Et des gens qui commencent à jeter fatra à partir de 4 heures, et dans ma tête. Donc, même si la vérité commence à porter, et bonheur dans la nuit. Et ce petit 4 de matin, qui est au niveau de Fadra, est très considérable. Et surtout dans la poubelle, il y a une RUN. Il y a une intervention SMC, STN, qui vous fait suivre, décharger la poubelle. Mais c'est pas dans la zone, il y a balé. C'est vrai qu'il y a poubelle qui est inversée. Et nous, dans la lune, il y a la lune qui paraît très propre, très très propre. Et il y a un chemin qui est très propre. Et il y a un pile de mesures qui prend, et il y a une RUN. Et pour propre, c'est bonnet, nous, on le fait plus bonnet. Et même nous, les camions, mais oui, tout ce que je croisais avec les après-midi, mais les matins, tout ce que je croisais, employé à Bouette, eux-mêmes qui mobilisaient avec gilet, mais oui, pour au prince, c'est bien venu. Donc, nous allons finir avant d'aller sur le téléphone, non, encore, et dans le jour qui passé, vous avez signalé, nous avons plaigné, parce que bandit a dévalisé, le levé le matin, et qui suit vous fait sous plainte ça, est-ce que jusqu'à présent, vous continuez à se voir plainte comme ça? Oui, et toujours, il y a quelques monde dans la zone de Delmas 33, il y a même qui plaignent, et dans le niveau de travaux publics, et qui n'a pas sorti le matin, à cause de bandits qui a fonctionné, et c'est même remarquable pour le monde qui a pris le fouji, et mon Léogane plein en pile, à cause de bandits qui sont plusieurs côtés, et qui a fonctionné dans Léogane, mon qui a pris le marché, et qui n'a pas sorti le bonheur, et bandits a fait la semaine à Toublaï, et dans la lutte pour la journée dans Léogane, je cité qu'à connaître l'autre moment et l'autre situation qu'on y a. En allant au téléphone, dans le Mackinson Rémy, pour nous, qui ça, message jeudi? Dans le téléphone, non, mon haut coteau, mon décompagné, si je t'ai le temps, s'il vous plaît. Et depuis quelques temps, je n'ai pas de signal dans la zone, du tout depuis 6 mois. Les compagnies sont tombées dans le haut coteau, dans le sud pays. Mon Delma 31, mon des magistrats Wilson, jeudi, et tant pis, s'il vous plaît, car mieux ne sera pas passé dans le Delma 31. Et ils m'ont dit, vous faites effort pour Delma, et comme la question de commune, Delma qui est mon visage propre depuis quelque temps. Et puis mon tapion, mon zone tapion, rivière, cette rivière crasée, doit écraser dalle jadéen, et jadéen crasé net. Mon village de Dieu fait qu'on est gagné au 76 l'année, machine défrappée, et qui est dans une situation qui a besoin de soins, et qui paraît famille dans le village là, n'importe qui est capable de contacter et mon dans le village là et pour Tigomon ça. Nous avons notre dé, mon toto, et je fais qu'on ait épuisé de l'eau sauvage depuis quelque temps. Il n'y a pas de l'eau même, c'est de l'eau dans la ville, dans la boue. On connaît que son bois de l'eau est rivière et que y a maladie de choléra dans quelque côté. Zone du Blanc, Cobier, Chambon, Loiseau, mon yo plein, il n'y a pas de l'eau du tout. Mon DTBTC agit pour être pressé. Et puis, habite au coin, il y a un grand bois, appelé en moué, à cause du tubarien, poussière, pintouille, yo. On est député de la zone pour souffler, agir pour TPTC, capable de travailler dans l'autre là, et puis on fait qu'on est oublié et tout. Mon corail Pestel, qui n'a pas de honte, ni digicel, ni natcom,
c'est nos péripéties à vivre dans un temps. Mon maïs ça dit, là, comme Gichel, ça existé du tout depuis 6 mois, pour pas y tombé. Et puis, mon papier, en République dominicaine, mon directeur général ministre intérieur, c'est bien mon chéri, dit un mot pour eux, parce que pas qu'à faire passeport yo, alors que l'immigration dominicaine a paniqué yo. Mon Richard et Ron, dit un mot pour eux, dans un an, qui causait un pile accident, et puis, qui causait un pile blocus, mon caradé, mon bébé Michel, dénoncé, mon capier, dans quand Toto, il a dit, et cap malage dans un an, j'étais toilette dans la rue, et mon qui vivent dans le cancer, et en pile mon amour dans le cancer tout, et qui pense qu'il cache dans le cancer, prend son monde, et sous le caradéa, sous Bible, tellement 75, à cause du cancer, terre de l'Union, zone nord, tout non, zone presque, yon zone de nos doigts, demandé Wilson jeudi, avec DCPJ, direction départementale à l'ouest, PCDC, font une visite, le cancer tout côté Mounio, habité, Mounio a coulé béton normalement. C'est quelqu'un qui est sur 43, 29, 77, 40, numéro Caraïbe FM Nord, pour tout le monde la carrière levée chaque matin. Voilà, 4x4 qui passe seulement gagner yeux sous Port-au-Prince et Messagio. Nous soutenons ensemble et nous comprenons. C'est tout pays qui a contacté 4x4 jusqu'à communauté haïtienne à l'étranger. Au dernier froid, c'était haïtien dans Chili et matin. Nous soutenons les revendications haïtiennes qui vivent en République dominicaine. Voilà, guerrier pour Jean, Port-au-Prince réveillé pour matin, mais nous voulons arrêter sous point ça. C'est effort qui a fait le dernier jour. Pour finir avec la question Fatra, dans Port-au-Prince, nous avons plus machines, la mairie, camion, la mairie qui a ramassé Fatra et gagné. Il y a longtemps de paroles, camion qui a privé dans le quartier, qui a klaxonné pour demander à Mounio porter Fatra venir. Et vers minuit, et matin, j'ai constaté ça dans la zone, pas peu de choses là. Donc, son bonne nouvelle pour Port-au-Prince, c'est finalement sorti en bas Fatra, mais c'est pas pour première fois, m'ouvrait ça, et toujours gagner les efforts qu'on s'est fait et qui pourrait le camper par la suite. Donc, nous espérons que définitivement, pratique ça, retourner pour nous finir à question Fatra dans Port-au-Prince. Oui, bon, nous espérons, initialement, les gars poursuivent et que la mairie tout, de concert avec l'autorité, au fond, Jean, pour retirer en équipement sur le trottoir qui empêchait la circulation, garage qui gagne tout partout en bas de la ville. Là. Donc, nous avons ces autorités. Il y a un pile pour faire pour permettre que le capital là, il y a l'autre visage. Nous avons entré dans le développement journal là avec dernière décision ça qui prend côté plusieurs voix déjà levées pour dénoncer décision. Exécutif là prend pour publier un arrêté présidentiel qui fait injonction avec la direction générale PNH là pour soumettre et CSPN là pour approbation principale. Décision administrative Lyon. Oui, première réaction, c'est d'abord normalement sur arrêté présidentiel ça qui poté date 28 mai côté Conseil supérieur police nationale la CSPN by tête li droit pour valider tout transfert qui vient pour la direction centrale à départementale Lyon au niveau police nationale la sénateur François Denis fait qu'on est arrêté présidentiel ça qui by CSPN toute autorité sous décision qui doit prendre dans la police là contraire à règlement institution. On va suivre un reportage avec Winston Ladrien. Arrêté président République l'a adopté et fait publier dans un numéro spécial journal officiel PIA Le Moniteur dans la date 28 mai 2018 là qui bail Conseil supérieur police nationale là plein pouvoir sous toute décision qu'a prendre institution hein t'a violé tout principe qui réglementait administration et fonctionnement police nationale là c'est en tout cas opinion sénateur Frester Denius qui rappelait arrêté ça en contradiction avec ça la loi dit sous gouvernance institution ça hein? Sénateur Frester Denius arrêté à l'contraire à loi 96 sur organisation et fonctionnement et la police là qui dit que CSPN sont à vie que le bail ça veut dire rappel là t'es capable toujours fait mais faut qu'il te reprenne mot à mot parce que pas oublier arrêté à pas qu'à contraire à la loi parce que la hiérarchie des normes arrêté à l'ivine après loi sénateur Niplan estimé nouvelle disposition ça t'a une tendance réduit pouvoir directeur général police là dans attribution et les cités juridiques dans loi qui réglementait institution police là pour chita opinion là. Le nous garder article 13 loi 1996 sur organisation de la police là, il parlait de avis CSPN. À l'article 13 de loi ça, il dit que le CSPN donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation, le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière, la rémunération des membres de la police. Au fond, il y a un rappel qui fait vrai mais cependant, nous l'arrêté à l'idée à propos
approbation. Approbation différent de avis. Parce que yon avis, pour qu'à bah avis, m'a accepté, ou bien moi, qu'à pas accepté. Mais approbation, c'est que, tant qu'on pas approuvé, moi-même, moi, pas qu'à avancer. Et m'quoi là, en ce sens, nous capables dit, et gon sorte de réduction de pouvoir qui fait de directeur général là, et lui-même qui gagne attribution pour contrôler toute bagaille ça avec d'autres membres de conseil de la police. Pour empêcher qu'on police là tourner un instrument politique par rapport à Karité ça, sénateur François Denius mandé pour CSPN non respecter règlement yo. Et je dis à qui ça, nous voulons la policier. Nous voulons que la police est un corps qui est au service de la population, mais c'est pas un corps qui politisé. Donc, dans ce sens ça, moi, je crois que faut que CSPN a rectifié le tir pour lui mettre en diapason avec la loi et pour pas faire que population gagne aucun doute sur volonté antidémocratique et eux-mêmes, ils sont capables de. Déjà, sénateur a évoqué possibilité pour Sénat à inviter CSPN à présenter devant Grand Corps pour expliquer bien fondé arrêter ça. Winchel Adrien, Caraïbes FM. Merci en pile, Wenchel Adrien, de Jean Dillan, réaction qui a tombé sous aux dernières décisions, ça, on a rappelé CSPN, les composés comme ça, premier ministre, là, c'est chef gouvernement, c'est président, ministre de justice, là, premier vice-président, ministre intérieur, là, deuxième vice-président, commandant en chef force police, là, directeur général police nationale, là, c'est secrétaire exécutif, et inspecteur général en chef police nationale, là, c'est secrétaire exécutif adjoint, c'est CSPN qui est là-dedans, 5 monde donc qui ont même composé CSPN et nous attendons les sénateurs là qui lui-même t'a essayé faire une décantation là entre avis et approbation. Mm-hmm. Et l'autre réaction sur décision ça qui est censé limiter pouvoir chef police là, c'est dans niveau organisation droit mounio pour Antonal Mortimer, mais juste ça aller dans le sens contraire à ce moment loi payant. Oui, c'est comme ça, représentant effectif défense plus l'un qualifié décret présidentiel l'un qui diminuait l'autorité chef police l'un pour Antonal Mortimer. Il y a une action comme ça capable de gros conséquences sur l'indépendance institution police là, allez ouais, même pour et même politiser là. Oui, très bien, un militant à droit mounant qui considérait arrêter ici là, tant qu'on faut pas politique encourager exécutif là, annuler sans perdre du temps. Plus précision à Antonal Mortimer dans le micro, Patrice Salomon. Effectivement, au niveau collectif défenseur plus qu'on organise toutes les lois humaines qui a pu monitorer la situation de l'homme de la pays et garder le fonctionnement institutionnel, nous apprenons avec étonnement et nous lions avec regret arrêté présidentiel qui était article qui publié hier soir, qui m'a dit pour toute décision qu'à prendre dans la police nationale là qui concernait transfert, nomination, grade, question promotion, question salaire, pour y avoir approuvé par le Conseil supérieur de la police nationale là. Donc, on trouvait c'est scandaleux. Et scandaleux parce qu'il y a une loi, en décret loi en 94, qui lui-même, créait la police là et qui dit, mais comment la police là doit fonctionner, mais comment l'échapper. Ouais, qui ont organigramme pour la police nationale là. Et dans le même loi ça, article 13, là, il parlait de décision police d'appelant, ou bien par la police d'appelant, Conseil supérieur de police nationale là, de avis sur lui, mais le pas dit pour la prouver. Donc ça t'a dit pour nous-mêmes au niveau des forces police, arrêté présidentiel qui publie, qui marquait 23 mai, qui publie 28 mai, les contraires avec constitution, mais contrer tout avec loi sur le fonctionnement de la police nationale là, et nous faisons ça, nous exhorter autorité pour, alors même des autorités, nous exhorter exécutif là pour y rétracter, soit arrêter ça, et demander mon qui n'a recommandé à la police là, et directeur général là particulier, pour yo même yo appliqué loi sur le fonctionnement de la police là, yo respecté constitution. Et pour yo mettre des décrets à côté parce que c'est capable pour nous-mêmes préjudiciable avec la police nationale là qui sont institutions républicaines et c'est capable d'entrer dans le processus de politisation police nationale là. Il faut nous songer l'année dernière, M. Jovenel qui gagnait des difficultés de la police nationale là dans une situation difficile parce qu'il a demandé le conseil des transferts. Et que nous-mêmes, nous étions pensés, contraire avec l'ordure, contraire avec le maillot, que nous étions dénoncés. Et la communauté internationale a tout dénoncé ça, et ça a été un campus du changement de
eux qui peuvent dans la zone nationale là. Et nous connaissons l'année prochaine, dans l'année électorale, pour nous-mêmes, c'est des dispositions qu'on prend, pour voir prendre justement, pour le capable de politiser les institutions et pour le capable d'influencer pour ces électorales-là l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que telle activité est capable de compromettre à un certain niveau, ça n'a pris les processus de démocratisation ou bien de séparation de pouvoir qui gagne au niveau de l'exécutif là et la police là qui pour nous-mêmes c'est en fait que nous considérons comme un bras de la justice. En plus ça capable de compromettre, ça leur faut pas même gouvernement fait dans le processus d'état de droit démocratique là. Le ministre est le chef du CSPN, Antoine Almortimé, non? Le CSPN, là, il doit jouer un rôle, on sort dans l'organe consultatif. Ou bien encore un conseil d'administration qui réunit occasionnellement. Mais dans la vie, chaque jour, la police nationale, là, CSPN, là, comme organe politique, il n'est pas pour impliquer dans la question transfert, dans la question promotion. Ouais, il est capable toujours d'avoir un avis sur ça, mais il n'est pas pour impliquer dans la vie chaque jour. Et c'est très dangereux. Ouais, c'est très dangereux, c'est capable d'attaquer le caractère républicain fonctionnement police nationale là. Voilà, on t'a pas écouté explication à Tonal Mortimé qui, même Jacques, a plusieurs autres interventions qui fait sous le CSAN, demandé population pour être réactif face à la velléité et au dit exécutif là, à ta gagné pour ta faire même mise sous police nationale. Haïti raté à venir lorsque les choisis qu'un des relations diplomatiques à Taïwan contre Chine continentale, déclaration et spécialiste en relations internationales à Sciences Po, professeur Henri Robert Sterlin, professeur universitaire croate, dirigeant haïtien, a cédé en bas pression occidentale, a décidé de prendre une décision pareille. Peterson Chéri. Haïti décidé d'être fidèle à pays Taïwan, un pays qui a partagé relation avec lui depuis environ 60 l'année. Jeudi, il y a un pile d'autres pays qui a coupé relation avec Taïwan pour l'ouvrir en mitaille avec la Chine. C'est comme ça, pays voisin ou la République Dominicaine choisit à joindre la Chine, livrer Dubaï Taïwan. Qui ça Haïti a raté l'on choisi qu'il y a une relation avec Taïwan? Et spécialiste dans les relations internationales, Henri Robert Sterlin, a répondu. La Chine résout le problème agricole, c'est-à-dire que tout Chinois mange 3 fois par jour. Donc, par conséquent, à partir de 1972, c'est pas la Chine qui nous besoin le monde, c'est le monde qui nous besoin la Chine. La Chine communiste dégage ces deux bagailles. Premièrement, il vient le banquier du monde, c'est-à-dire qu'il vient même une politique stratégiquement pour faire tout un duel. Les États-Unis ont doté l'agriculture de pour avoir 1 trillion de dollars. Et en même temps, tout, ils disent comme ça que, vous les autres là, pauvres, pauvres, l'avenir est à la grande Chine. Dans le moment côté dossier, ça a fait un pile de bandes dans la société, principalement dans l'université de l'État. Président de la République, là, Jovenel Moïse, prend décision de visiter Taïwan dans l'objectif pour aller exposer priorité à l'administration liant. Pendant temps ça, il y a un pile sénateur américain, parmi eux sénateur Floride là, Marco Rubio, qui déjà baille pression à l'autorité haïtienne. Et spécialiste dans les relations internationales, la professeur Henri Robert Sterlin, dit le regrette, dirigeant haïtien ou déjà montré à prendre dictée. Non mais gros paleto américain. Blanc son vieux magali gagné dans cette pli, c'est reprendre revanche sur Haïti, qui prend indépendance, l'ambigule, qui était carrément, qui vit nous défi en plein 19e siècle. Et au pas j'aime pas le plein pays, et ou pas qu'on s'agit comme ressource en bataille. Donc, vous voulez dire là, à l'heure où la crise mondiale affecte la crise des matières premières, blanc pas accepter aucun gouvernement indépendant en Haïti, qui gon l'armée solide, qui gon l'armée nationaliste, qui gon l'armée qui prend pause, et empêcher que les Américains viennent fouiller sur là, à la recherche de pétrole, à la recherche de uranium. Réalité ça semble être coupée à qui on bataille intérêt qu'a mené entre la Chine et Taïwan. Autorité chinoise et autres assemblées déjà offrions valait 3 milliards de dollars à dirigeants dominicains. D'après analyse professeur Inagué à Henri Robert Sterlin, Haïti trouvait l'anti souliel en choisi pour avenir au sein qu'il y a des relations avec les pays États-Unis, Canada, la France, qui eux-mêmes, pas dans trois dans ses coulées, à cause de la Chine. Pour bien
comprendre l'histoire d'Haïti, pour comprendre la problématique qui gagne la relation que Haïti a essayé d'établir dans le triangle Chine, en parenthèse Pékin, et la petite Chine, en parenthèse Taïpé, et puis pas au plus. Donc Haïti, normalement, de manœuvre extrêmement difficile, parce que c'est un pays qui est un pays puissant sur le plan de la liberté et de la vision de l'histoire. Il y a plusieurs pays parmi eux, Gambie, Panama, République Dominicaine, qui déjà viré de bah, relations avec le pays Taïwan. Peterson, chéri, Caraïbes FM. Merci un peu, Peterson, chéri, n'a fait retourner en tout cas, dossier ça, qui a un rapport avec CSPN, gagné sénateur Jean-Renel Sénatus, président de la commission justice Sénat, qui a invité, en tout cas, qui m'a dit avec président Sénat, Joseph Lambert, invité CSPN pour venir dans une séance de travail qui a fait vendredi 1er juin, 2018, là, à 11h matin. Dans l'occasion ça, CSPN a venu pour fournir une explication sur l'état à sécurité pays en général et en particulier sur le dossier Gantier, Trou du Nord, Léogane, Cabaret, Tchot, Cap-Haïtien et surtout dernier arrêté qui portait sous nomination à un transfert directeur central et départemental au niveau PNH. Donc, invitation, l'est déjà à lancer, c'est sénateur Jean-Renel Sénatus, président commission justice Sénat République là, qui fait invitation ça à travers président Sénat. Oui, guerrier, concernant arrêter ça, il y a plusieurs voix qui sont censées lever là pour dénoncer décision exécutive en prend pour publier arrêté présidentiel ça qui fait injonction à la direction générale police nationale là pour soumettre par le conseil supérieur police nationale la CSPN pour approbation principale décision administrative Lio. L'autre point d'actualité à Haïti, sous route pour le mettre au pas dans quatre batailles et camp mené contre évasion fiscale avec blanchiment l'agent. Direction générale impôt au DGI compte prend disposition pour sécuriser toute transaction qu'a faite dans le monde. C'est dans ce sens-là, DGI a poursuivi avec un séminaire technique sous transparence avec échange d'informations avec différents autres administrations fiscales à travers le monde. Reportage Jean-François Dessous Batelmi. Pour toute administration fiscale, fonctionner en réseau, ils ont tous ses amis, ils ont tout capable de bailler l'autre information. On ne peut pas passer à me dire, gardez-la, moi, pour ça qui passe là. On a besoin d'informations, on peut taxer, monsieur bien. Même chaque nouveau membre Forum mondial, Haïti bénéficie de programmes techniques qui permettent de tirer profit sur avancées qui enregistrent les dernières années, ça y est, dans la lutte qui a mené contre fraude, blanchiment d'argent et évasion fiscale internationale. Tout ça, grâce à l'information qui pourra le partager à différentes administrations fiscales. Il y a une opportunité pour Haïti confirmer un engagement au niveau politique et technique dans le Forum mondial Organisation Coopération et Développement économique, OCDE. François Serin, c'est responsable communication dans la direction générale impôt. Il y a un phénomène que vous avez pris de transfert. C'est côté que des multinationales qui établissent sous plusieurs pays, et puis il y a un filiale ou succursale dans l'autre. Je prends un cas, c'est simple, pour avoir un compagnon de téléphone qui est dans le pays Caraïbes blanc, et puis en Haïti tout. Et puis il a acheté un téléphone à $100 américains. Pour le capable de payer moins d'impôts, pour le diminuer le bénéfice, il y a déjà Haïti une facture côté l'acheter $400 américains. Donc si l'administration fiscale haïtienne signe des accords de coopération avec DGI, pays Caraïbes, ça, capable ouais côté que vous faites fou blanc et capable corriger donc c'est un élément question plus transparent donc OCDE organise ça capable permettre nous corriger programme accompagnement ça a commencé avec visite deux experts dans le secrétariat Forum mondial OCDE pour informer sur le fonctionnement et la situation système fiscal là en Haïti et puis rencontrer cadre administration finance publique pour identifier failles et puis faire recommandations. C'est dans le contexte ça DGI après poursuivre avec techniques sous transparence et échange d'informations sous fiscalité pour différents acteurs dans le secteur finance et économie. En tant pays, séminaire ça que nous avons là, l'a entraîné cadre nous dans le des outils et en même temps, à part question accord de coopération administrative qui vient entre Haïti et d'autres administrations fiscales, que ce soit dans l'hémisphère ou bien de par le monde, nous capables de venir signer par la suite soit des conventions fiscales. Côté que Haïti n'a pas signé aucune convention. Lorsqu'il y a une convention fiscale, pays qu'on est qui vient établir là, qu'on est que ne pas pouvoir imposer deux fois. Donc ça c'est un bon bagage pour investisseurs. Faut que Haïti gagne des moyens pour qu'elle fasse nouvelle économie.
combien côté que Kabou manque à gagner si Haïti pas entré dans dynamique là. C'est en septembre 2017, Haïti vini 146e membre Forum Mondial OCDC sous transparence et échange renseignement dans sa qui gagne avec la fiscalité. Orfa des sources, Barthélémy, Caraïbes FM. Sinon, Orfa des sources, 6h11, journal créole. Premier occasion après poursuivre Haïti Air Ambulance présenté par diverses institutions haïtiennes et internationales. Service les offrir dans le domaine gestion et urgence dans le pays, dans ce qui est pour la santé publique. Haïti Air Ambulance présenté critères qui devraient établir pour l'y accepter, transporter dans l'hélicoptère et au monde qui est malade, quel que soit côté lié dans le pays. Air Ambulance qui déjà gagné 4 années depuis la fonctionner et fait connaître toujours prend à mesure pour fournir un bon service. Côté Nada Marjanovic, directrice exécutive Haïti et ambulance, qui était dans le micro, Davidson Saint-Fort. Nous avons les deux hélicoptères qui sont comme virtuelles salles d'urgence. Le service est pour tout le monde. Nous pouvons arriver partout en Haïti en presque une heure. Il faut qu'un médecin ou une infirmière nous appelle parce qu'il faut avoir les signes vitaux de savoir si la patiente est qualifiée pour le transport. Le critère de transport, ça dépend si on a le perdu de membres ou de vie. Nous avons toujours les formations, nous faisons toujours les partenariats avec les autres qui travaillent dans le premier réponse, par exemple le PNH, la Croix-Rouge, tous les acteurs de ce arena. Donc aujourd'hui, nous avons la réunion mensuelle de le groupe SAR. Ça, c'est le groupe de recherche et innovateurs en Haïti. Nous avons une partie de ça à côté de recherche. Si on a quelqu'un est perdu ou un avion est perdu, nous pouvons faire la recherche pour trouver les gens et l'OFNAC pour déterminer les prochaines étapes. Oui, c'est trop cher, malheureusement, parce que ça, c'est un hélicoptère, mais pour les adhésions que nous vendons, nous pouvons faire le service pour tout le monde. C'est pour une personne, c'est 36 dollars par an pour l'adhérence. Et si un membre de l'adhérence a un vol, on n'a aucun frais additionnel. Et ça, revenu, ça supporte notre sustainabilité pour faire des vols pour eux qui ne peuvent pas payer. Saison cyclonique là a démarré 1er juin Cap Vini là. Entre temps, direction protection civile mandé citoyen respecter consigne sécurité yo. Face à négligence yo toujours constaté la caille population. DPCAC système national gestion risque ak désastre organisé une conférence débat hier sur accessibilité linguistique ak médiatique bulletin météorologique yo. Professeur université Pierre-Louis Luneroc a plaidé en faveur une campagne sensibilisation avec éducation dans média et au professeur Luné et Roc Pierre-Louis dans le micro Wendy Scholl. Moi développer quand même trois volets. Un volet concernant l'éducation tout court et éducation aux médias et également sensibilisation. Je veux dire qu'à court terme ou à très court terme, c'est la sensibilisation. À moyen, à court, à moyen et à long terme, éducation aux médias. Et également, éducation tout court à long terme. Ce qui veut dire que la saison cyclonique est déjà arrivée, ou bien c'est pas seulement la saison cyclonique, Haïti toujours sous menace, sous série de catastrophes naturelles, que ce soit tremblement de terre, que ce soit inondation également, et toute autre forme de catastrophe. Ce qui veut dire que la sensibilisation veut dire que le premier appel là, c'est un appel à la responsabilité. Citoyen, faut le comporter tête-li en responsable. Et comporter tête-li en responsable, ça veut dire, c'est déjà là, faut le pas banaliser. Question, faut le temps faire un minimum de compréhension pour comprendre ça. Les gains de messages qu'a diffusé sur question catastrophe, sur question cyclone, sur question inondation. Nous pas qu'à gagner toute catastrophe naturelle, ça y est. Chaque année, nous avons une saison cyclonique. De temps en temps, nous gagnons inondation. Mais nous avons un séisme et nous sur l'autre menace. Eh bien, pour la population, pas gagner une série de notions de base, des concepts, des phénomènes sans fond. Travail média, yo, pas qu'à remplacer travail l'école. Travail l'école, travail média, pas qu'à remplacer travail institution thématique qui l'a pour faire travail ça, yo.
et ensemble, ils pas également remplacer la responsabilité par citoyen. La vie mondiale dépend, par rapport à ces enseignants, de gens qui ont compris l'information qui a sorti dans les médias pour sauver la vie. Effectivement, l'enjeu est à même la vie, dépend de. Ça, vous comprenez? Il y a également, sans de responsabilité, il y a déployé. Ça ne me dit pas là. Si vous avez une menace, gagner une alerte, je me dis que vous allez en vigilance, information en bail, mais c'était quand même une catastrophe là. En fait, mais le très dangereux, demain, là, il dit qu'il y a une autre menace, il est banalisé, il dit, ah, première va passer, deuxième va passer. Même moi, compte, attitude apocalyptique, ça y est, qui fait que comme, si première va passer, deuxième va passer. On veut un équilibre, et équilibre ça, c'est ça, mais les responsabilités citoyennes, non. Faut qu'on pas dire, ah, pendant que c'est pas le radio ici, on ne va pas quoi. D'écouter sur radio, peut-être va passer, va passer. Mais tant mieux, elle va passer, mais qu'on y a l'aigle ou l'autre alerte, faut qu'on toujours respecter mesure également à la lettre. Un pile travail qui pour faire, travail ça, faut le faire par l'État central, faut le faire par direction de la protection civile, faut le faire par médias, yo, faut le faire également par l'école, l'église, mais faut citoyen également, qui porte contribution par la papi gros, que ça, c'est responsabilité, c'est devoir également pour le coûter information, pour pas seulement coûter seulement information politique ou bien information sportive, faut le coûter information également qui lie à la météorologie. L'autre nouvelle zone Canaan qui habitait journée aujourd'hui, hein, presque tout d'un véritable bidonville sur route nationale numéro 1, à côté, pas gain en lien comme structure pour mettre Mounsayo vivre tant que monde. Oui, zone ça, Mounio, t'es envahi après tremblement de terre 12 janvier, hein, jeudi, hein, plusieurs milliers de monde vivent dans la communauté ça, sans service de base, yo, problème insécurité, leader communautaire, yo, qui t'a fait, yo, distribution, manger pour soulager souffrance, si là, yo, qui pime à lieu profiter, attirer attention l'État haïtien sous nécessité pour prendre zone Canaran en considération. Jean-Georges Blaise. Ismaël Pierre, Thunderwood, c'est deux jeunes leaders communautaires parmi plusieurs autres encore, qu'après les un mois qu'on a fait par bon dans le bloc Canaran. Canaran, il y a un nouveau bidonville en plus qui vient créer depuis après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, côté t'a gagné plus passé 800 000 monde qui a monté tente soit bon l'arrière sur route nationale numéro 1 ou bien sur tête mon nom qui commençait chargé à chrétien vivant. Il y a un espace qui portrait des airs côté pas gagné rien comme structure pour faciliter monde ça yo qui pas gagné de l'eau, électricité sans compter l'autre manquement toujours. Mon yo grand goût, mon yo pas gagné travail, mon yo dans misère, mon yo pas gagné de l'eau, son camion d'eau pas gagné courant. Non, zone dans vieille, zone dans lagué, nous lagué pour compte nous. Ça veut dire nous pas gagné dans zone là, nous ça courir pour n'a vivre pour compte nous jour le jour nous lever, nous pour compte nous. Pas gagné l'état qui accompagne nous rien. Soleil la fatigue nous en pile en pile en pile, elle fatigue le matin comme ça aller soir avant inventer et puis gagné parfois elle fait si mon yo grippe, elle ban nous fièvre. Même bien nous pas bien zone là dans zone là. Tout le monde qui était rouge, toute ville noire. Si Canaran t'a de rete yon espace côté l'être avec mes lames coulées, moun sa yo semblé apprêter tant plutôt la manne dans le désert, côté titrip à Valley Gotrip, d'après les deux communautés sa yo qui t'a fait une distribution manger pour soulager souffrance, surtout si la qui pi mal yo. La distribution 500 kits, au moins pour moun yo ka venonti amélioration dans la cap distribution. Kit yo gen, c'est produits alimentaires. Gouan, qui te red, l'op vivon quartier comme ça, un quartier qui est en construction, côté qui gen plus que 800 000 moun kap vivre là, pas gen factory, pas gen travail, tout le monde, c'est campé gardé, tout le monde, c'est sorti à regarder côté bon, je n'en bagaille. Un grand merci avec président Jovenel, chef cabinet qui s'est roulé sur la loi, ensemble avec DG Faresa qui était dans mon groupe, pour niver, atterrir avec distribution ça. Ça pas suffit d'après bénéficiaires qui chargent à revendication dans la communauté ça, qui était en menace pour Côte Noire dans le domaine insécurité, si dirigeant dans l'État continue à faire manger dans la situation Canaran, qui t'a dû interpeller conscience autorité en place. Ismaël Pierre, Thunderwood. Côté qui a grand goût, côté qui n'a pas de travail, il toujours développé délinquance. Comme étant donné, nous, le gouvernement commence à faire tiges ça, on a dit pas camper parce que là, même j'en ai gardé Cité Soleil, Salvin Bajoune, je dis, c'est prêt ou pas prendre le bonheur. Nous, même comme leaders, on a nous, vrai, bah, nous, le jeune gouvernement, pour nous éviter situation, ça arrive là, parce que tout côté, il y a qui sont Cité Soleil qui vient là, il y a tout côté qui vient là, son cacophonie qui a débouché sur un bagage, si pas de travail. Les gens commencent à penser à venir garder dans quel niveau,
mettre une question pour tout pour nous. Il y a rentrer courant dans la zone. Il y a font de comme si pour l'État venir dans la zone. Même si nous avons une école nationale. Pour nous, vous avez commencé pour tout le monde dans la zone. Papa commence à besoin payer machine, sortir là, juste la ville. Pour nous avoir une côté pour nous avoir payer de l'éducation. Là, nous avons commencé à faire pas avec nous. Des autres canarins qui ont persisté depuis 8 années comme ça après ce coup de tremblement de terre, c'est un dossier qui a dû prendre à cœur d'après un pilote monde qui veut remettre en question irresponsabilité de l'État haïtien qui, aujourd'hui, semblait pour qu'il n'y ait aucun plan pour empêcher Pita Pitris dans le dossier canarin ça qui risque d'être plus difficile pour traiter chaque jour qui passait. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Merci en pile Jean-Georges Blaise, implication pédagogie nouvelle dans l'école Yo en Haïti. Une bataille pour un plus bon encadrement pour Timounio dans le pays. C'est titre un document réseau enseignant et enseignante haïtien élaboré suite à plusieurs constats dans le système éducatif haïtien. Document ça a droit à joindre l'autorité étatique et la société civile d'après Masli Dorseli qui était dans le micro, Johnny Ferdinand. Pratiquement, nous connaissons que question recommandation yo, et si on bataille en permanence, puisque nous disons ça, c'est à partir d'un ensemble de constats que le document ça a monté. Et nous connaissons que le ministère de l'Éducation nationale a environ près de 5000 enseignants jusqu'à présent qui sont en condition côté que ils n'ont pas de salaire, ils ont travaillé, ils ont été promettre depuis le mois de mars pour joindre lettre de nomination jusqu'à présent pour qu'on nomme. Et ces acteurs nous disent que c'est un combat à faire à tous les fronts. Et c'est pas seulement fonds combat dans la rue, mais c'est non seulement on a documenté, on a produit documents qui pour permettre que nous baillons idée, nous prenons vue, nous, sous genre éducation, nous fait dans le pays, mais on a bataille tout pour améliorer les conditions de travail enseignants, qui sont en bataille en permanence, qui sont en bataille continuelle, et jodian, bataille ça, les passés, la continue fait toujours. Et pour contraindre, le ministère de l'Éducation nationale prend responsabilité li, vis-à-vis de enseignants qui travaillent sans salaire. Puisque jodian, ou pas qu'à prétendre en éducation de qualité, pendant ce temps, moun, qu'on dit, qui, là, comme guide, comme enseignant, qui a enseigné, eux-mêmes, ils n'ont pas de salaire. Parce que c'est à trois niveaux. Gain salaire qui n'a pas répondre à besoin enseignant, mais gain ça qui travaille, qui est dans la salle de classe, qui a 4 ans, qui a 5 ans, qui a 6 ans, et même 10 ans qui travaille, qui est dans la salle de classe, qui peut jamais nommer, qui peut jamais budgétiser. Et c'est ça yo, que l'État haïtien, via le ministère de l'Éducation nationale, te promet à Nation hein, que l'a nommé Moussa yo, à partir du mois de mars. Et information que nous gagnons, ensemble lettre nomination qui vivait dans le ministère de l'Éducation nationale, c'est pile monde qui était déjà dans le ministère qui jouait une promotion. Et jusqu'à présent, lettre nomination véritablement pour que j'en arrive dans l'école. Et nous connaissons que trois qualités déjà par rapport à la question examen officiel. Là, ils ont commencé à composer. Donc si tout le monde a un examen, on pas oublier que nous sommes passés plusieurs mois en grève. Non seulement en grève, mais enseignants qui étaient dans la salle de classe, ils ont une situation de frustration et mental, ils ne pas permettre effectivement le travail, gens au tas de travail, et que là, on a interpellé au plus haut niveau l'État haïtien pour prendre responsabilité vis-à-vis de Mounsaïo, pour permettre à ce que au moins il y a pesé soif et douleur enseignant ça qui dans salle de classe cap travail jusqu'à présent démarche n'a fait tout bagaille en même temps document non seulement nous pour aller voir document ça by ministère de l'éducation nationale nous pour aller voir document ça by état généraux et sectoriel de la nation nous pour aller voir document ça by ONAP nous pour aller voir document ça by le parlement et nous pour aller voir document ça by différents médias en le pays qui c'est organe de vulgarisation de tout message et population par rapport à souffrance que a pendu et document ça va le nommer on met assuré que document ça va le nommer différents et différents organes ça que nous citer là pour permettre à ce que et nous joindre en meilleures conditions de travail pour enseignants et en notre méthode d'enseignement en ce qui a trait à approche éducation à faire dans le pays.
C'est demain jeudi 31 mai, un pigo froid livre dans le pays, on pourra le lancer dans Port-au-Prince dans le cadre de 24e édition, livre en folie, qui encore froid ça après le déroulé. Son champ de masse en attendant lancement officiel fait Livland, déjà livre disponible online selon organisateur qui fait qu'on est livraison à fait entre 24 à 48 heures de temps et lecteurs en province, pas besoin de déplacer froid ça pour entrer Port-au-Prince pour venir participer à la foire du Livland, yo capable directement aller dans une succursale Unibanco pour retirer Livio. Et c'est seulement un jour qui était Jean Odili pour lancement 24e édition Livre en folie qui année ça a pas déroulé le 31 mai pour arriver 1er juin cap Vinila dans le local Mupana sous Champ de Mars. Ce que raconte une jeunesse, confidence d'un jeune haïtien, c'est premier livre Casson Baptiste 28 l'année, autobiographie qui retrace 25 années d'existence. Les Casson Baptiste a pour répondre une question, non? Oui. Oui, tout à l'heure, avant nous écouter, Casson Baptiste a gagné un accident, nous apprenons qui est arrivé matin. Il a dit nous devant mon département store dans un tabac. C'est toi qui dit ça, il dit qu'il y a un pile mon terre, mais c'est des concours ambulance, c'est une camionnette qui chavirait 4 coups en l'air. Il dit c'est zone MRC+, bon, disons, sujet tout à bas, par contre, c'est pas ma question qu'on est zone ça, c'est presque dans la même zone, non? Oui, donc, ambulance, fongeant pour nous capables d'arriver pour tes secours, bah, mon saillot qui t'a semblé victime d'un accident de circulation matin. On a retourné sur information ça tout à l'heure, mais juste avant, on a écouté Casson Baptiste qui est prêt à Lyon, auteur, qui a présenté ici Livli à partir de mai 31 mai, dans le cadre de 24e édition Livre en folie qui va l'organiser sous Champ de Mars. On pourra encore écouter Casson Baptiste. La prépondre question, Michel Joseph. Et dans la 24e édition de l'Enfolie, ça m'a eu chance d'écrire une autobiographie que ces trois éditions éditées pour moi, ce qui raconte une jeunesse comme titre et puis son titre comme